téléspectateurs et internautes de Presse Afrique TV, presseafrique.com. Bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Midi King, l'émission de la mi-journée. Nous yégalou bu baakha baax lu jëm ci walu retard bi nga xamantene dal dinañ koy amal. Di len wax ni rek ñu ci yégalou bu baakha baax. Tay nak comme niñ ko waxé won, ñu dal di fassiyene dalal ki nga xamantene rek modi mandataire bu Pastef di Aïp Dafé. Ñu dal di fassiyene waxtaan ak mom gannaaw rek ba ki nga xamantene modi juge Sama Si Faye dal di joxe verdict bi, verdict bu ni mel nak dal di délo ci wat ki nga xamantene modi Ousmane Sonko ci liste électorale yi. Xamna légui lay doon, il est sur place, waye nak avant may koy jox cadeau rek ma dal di nuyu ki nga xamantene modi sama natango journaliste bi di Fane Cissé. Fane, bonjour. Oui, Gerardo, bonjour. De nous également, qui est le ministre de l'Honorable Aïp Dafé, député de l'Assemblée nationale, qui est également mandataire du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. De nous également, sur nos internautes, de nous suivre sur Presse Afrique TV, et nous venons lire Fiti Presse Afrique.com, qui est également pour le retard, nous avons accusé Nanyoko, c'était indépendant de notre volonté. Tout à fait. Nous l'avons fait, mais monsieur Dafé, Je suis venu à la presse africaine, je suis également venu suivre à travers vos différentes plateformes. Fane, je sais que je vais vous inviter à vous aider à un reportage ou à une réaction. Vous savez que vous avez dit après le juge a donné le verdict. Qui a dit que le clé d'or a été fait, le clé d'or a été fait, Ousmane Sonko. Vous avez dit également que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Monsieur Faye, Monsieur Fall, Maïdou Sakh déjà, mom nak Adama Fall, dal di koy déglu del ci wacc plateau bi. Alors Fane, comme ni mala ko don waxe tout à l'heure rek ñu dal di jëli réaction ki nga xamanteni rek modi clé d'or li nek ben ci avocat bu layol ki nga xamanteni rek modi Ousmane Sonko ginaaw bi juge bi dal di joxe verdict bi buñ fa joggé rek dal lañ dal di déglu ki nga xamanteni rek modi Adama Fall mom itam nek avocat bu nga xamanteni rek da don layal nguur gi. Mais avant cela naka ni demb ki nga xamanteni rek modi monsieur Faye Sabassi jamono ñu tollu rek mu dal di dindi lu nga xamanteni amana sax nak nit ñi xalaaton nañ ko parce que ñu ngi doon wax ni juge bu indépendant la dal di délo ci wat Ousmane Sonko ñe lu jëm ci walu liste électorale yi mu mel na rek dal dina am ab poy bu nga xamanteni dootul fay. Waa xanaa ñu démarré laaj bopp ak ki nga xam ne moom mooy suñu invité Demba. Pour la première fois on a vu que ki nga xam ne moom mooy leader de PASTEF Ousmane Sonko am ndam ci yoon. C' est pas tous les jours la loolu di am parce que seen recours ñu bëri dugal na ko mais amu ci gain de cause. Demba mu am ko fële te Jigéen Chor mu porté sur l' annulation de sa radiation du li nga xam ne moom mooy juge bi sax nangu na pour ñu réintégré ko ci fële te liste électorale. Yow bi nga xëyee tey ci suba lan nga njëkk def, da nga jëli fiche ci fële te DG wala? Waaw, balaa maa tontu ci fiche yi apprécié décision juge bi nga xam ne décision bu am solo la. Décision boo xam ne gis nañ ni jox na dëgg Ousmane Sonko ak avocat mi ak patriote yëpp ak démocrate yi parce que ñëpp gisoon nañ ni Ousmane Sonko dañ ko jaay doole par rapport à sa radiation sur les listes électorales. Te jaay doole bi commencé wul foofu sax, mu ngi commencé ci depuis complot buñ ko tegal pour jéem ko écarté ko élection présidentielle 2024 yi. Ci complot boobu yaakaar naa ni depuis 2021 ñëpp a ngi suivre en tout cas évolution complot bi dam ci procès Adji Sarr bi, le procès en diffamation Mame Niang. Te loolu yëpp benn objectif rek nañu am, moo doon fexe ko mu bañ a bokk ci élection présidentielle 25 février 2024. Mais quand même lépp loolu dafa waru lalu ci droit, dafa waru lalu ci ay règles yoo xam ne ñoom état bi si boppam. Te suñuy naan état bi il faut que ñu distinguer ñoo xam ne dañu nëbëtu ci ginnaaw état bi. Mais en réalité waa bennoo bokk yaakaar ñëpp ñu koy def en tout cas il travaille pour l' intérêt de bennoo bokk yaakaar APR. Il ne travaille pas pour l' intérêt général, il ne travaille pas pour l' intérêt national, travaillé wuñu pour intérêt état. Donc foofu ñu def distinction boobu, dissociation boobu. Donc ñoom ñooy instrumentaliser appareil état bi pour fexe naka la ñuy écarté
Ousmane Sonko de l'élection présidentielle du 25 février 2024 parce que japp nañ ni d'après leur sondage Ousmane Sonko est largement majoritaire donc kok suñ ko bayé mu bok donc ñom sen système bi day jeex té bëgg nañu langamu bëgg nañu continuer à s'accrocher donc il faut que coûte que coûte par tous les moyens nécessaires et possibles ñu écarter Ousmane Sonko donc radiation sur les listes électorales gis nañ ko. Une radiation, il faut obéir à un certain nombre de conditions. Il y a un code électoral. La radiation, vous savez, nous avons une radiation qui dit Ousmane Sonko, qui a une notification. On a vu Ousmane Sonko déposer un recours également. C'est d'ailleurs, vous avez déposé un recours qui a une notification. Well, nous avons retiré les fiches d'apparénage. En tant que mandataire. Mais il faut que nous sachions que Ousmane Sonko n'est pas électeur. Donc, à partir de là, on a fait un constat d'huissier. Mais c'est ce que dépôt recours de la CEDEAO, mon dit. Non, dépôt recours de la c'est différent. Élément unilatéral au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, en réalité, c'est la Cour des droits de l'homme. Donc, il faut que nous déposer un élément. Droit interne, ça doit être déposé. Madame, il y a des code électoral, des les lois internes. Mais il y a aussi droit international qui est sous par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc. Si éléments, il y a une liberté fondamentale, il y a des pour que ça a été violé. Et là, il y a des compétences Cour de justice de la CEDEAO. Alors qu'en droit, dans les procédures internes, il faudrait que nous soukandikou sur des éléments, c'est des éléments internes, par exemple une notification d'une décision. Mais nous avons en tout cas tout ce sabotage-là, toute cette manipulation-là, pour éviter de notifier à Ousmane Sonko cette décision de radiation. Parce que nous savons que la décision de radiation sur le fond n'a aucune base légale, aucune fondement juridique. Donc nous avons mort. Maintenant, nous avons fait comme nous avons Ousmane Sonko. Am fouté au hôpital principal, nous avons en tout cas du cinéma, de la mascarade, d'affaire un carnaval, sauf que Ousmane Sonko d'amte fort comme nous nous confronté, donc notifier une décision Ousmane Sonko pour eux, c'était pour permettre, en tout cas pour éviter à ce que Ousmane Sonko ait un élément pour d'affaire recours devant le tribunal d'instance. Donc montrer une procédure bobiag, mais comment nous, en tout cas. Quelques juristes sérieux, tu as un juriste qui est invité, ou tu as des gens qui sont des juristes indépendants, ou en tout cas, nous avons Ousmane Sonko contumax, de produire un effet sur le plan de la déchéance des droits civils et politiques, parce que nous avons un code de procédure pénale, nous avons contumax, s'il se rend, madame, contumax, nous avons un le juger ce procès-là. Le ministre de la Justice, mon ça, doit contredire Bopam parce que la condamnation de Ousmane Sonko est définitive. Mais à mon sens, parce que si on a une condamnation, c'est définitive, bah pareil, nous avons la soi-disant victime, mon Adji Sarr, elle a fait appel, une des co-accusées, Ndaye Khady Ndiaye, elle a fait appel, condamnation, bon, nous définitive. Donc, tu continues, nous, si le code de procédure pénale, il a l'air nani. Nous, également, le code électoral, il a une notification d'une radiation d'office, il a l'air nani. Nous, l'État a respecté ou quoi, parce que nous avons eu, en tout cas, précipitation, nous avons eu panique. Nous avons eu l'élection, ils sont pris par les délais, pour nous, justice, instrument, là, madame, si nous avons eu. Des sens, orientation, nous avons une pression, une influence pour que nous ayons un sens et une orientation. Mais, nous avons une bonne, en tout cas, nous avons dit qu'il y a eu un os. Ils n'ont pas pu, en tout cas, user de leur influence, de leur pression. Moi, je pense que les procès, il y a un sabotage. Mais nous avons dit. L'adjoint qui est honorable, moi, je ligue fiche parrainage Ousmane Sonko, le dit, je suis un dogal du juge Sabassi Faïdjel, moi, je suis intégré dans la liste électorale. Je suis un peu sur ce point-là. DG, tu es un peu plus Non, je ne suis pas DG.
Parce que sur ce point-là, il faut nous comprendre que décision de justice, exécution de décision de justice, nous sommes en concertation avec nos avocats. Nous avons une procédure d'exécution d'une décision de justice. Nous avons nous permettre de réclamer une fiche de parrainage au niveau de la DG. Et ça sera le plus tôt possible. En tout cas, avocats, nous avons fait une question de catan pour que nous avons le plus rapidement possible Ousmane Sonko mène une fiche de parrainage. Parce que la décision, contrairement à ce que l'agent judiciaire de l'État l'oumoubine dans son communiqué là, qui n'a aucun sens d'ailleurs, parce que yakarna ni da titre wala da jaxlé, bon, ça arrive, mom day représenter l'État dans les procès au niveau national et international, mais il t'arrive de perdre des procès, mais perdre procès warul indi ci panique. Nous, la dernière fois quand on a perdu le procès sur le référé liberté, alors qu'on savait que normalement le droit était en notre faveur, en tout cas si le droit avait été dit, nous prendre acte. Mais nous perdre le procès, commencer à non décision de exécuter. Sur quelle base bon, il est qui? C'est un simple agent. Il faut que, quand même qu'on remette les gens à leur place. Nous avons une décision de exécuter. La décision sera exécutée. Nous avons parce que c'est ça l'état de droit. Comme nous avons dit, force restera à la loi. Parce que le juge s'est fondé sur la loi, si la loi le seconde pour dire décision. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons décision que nous avons dit que nous avons exécuté. Souvent, nous avons dit que nous avons dit. Mais ce que nous avons dit, c'est une décision que nous avons exécutée dans les meilleurs délais. Et nous avons retiré ce fiche de parrainage. Ousmane Sonko est un candidat. Participer à l'élection présidentielle. Et comme vous l'avez dit, c'est le Conseil constitutionnel qui a couru la Constitution pour apprécier comment il doit être candidat et comment il doit être candidat. Parce que pour le moment, il est candidat à la candidature. Et l'appel, nous avons fait un appel. Madame, ils se sont pourvus en cassation au niveau de la Cour suprême. D'accord. Recours bon, n'est pas suspensif. Procès bi jéxé di nga xamné mom moy agent judiciaire bu l'état annoncé na ben recours au niveau de la Cour suprême. On nous apprend également que ce recours là n'est pas suspensif, mais benen dir jaxé également day am parce que buñu fatali ko en juillet 2018 di nga xamné mom moy direction générale des élections dafa confirmer won li nga xamné mom moy inscription Karim Wade sur les listes électorales. Malgré ça, ki nga xamné mom moy Karim Wade mujjul jot sax ay fiches électorales ba li nga xamné mom moy conseil constitutionnel, comme on le dit, c'est le juge des contentieux en matière électorale, mom moy jël la décision finale. Est-ce que ndam bi nga xamné mom ngeen am, vous pensez que buñu démé ci li nga xamné mom moy conseil constitutionnel au mois de décembre, vous aurez la même Waaw, yaakaar naa ni su fekkee yoon nañu doxal, su fekkee droit nañu appliqué, su fekkee loi nañu tëral, yaakaar na man aw ma lu may tiit avocat wu Ousmane Sonko yi ak Ousmane Sonko amuñu lu ñuy ragal. Parce que loolu nañu yàgg wax. Parce que xam nañ ni procédure bii ñu utiliser teguñu ko ci yoon, jaay doole la, par loo la. Donc loo xam ne mooy yoon moom le juge bi wax démb. Moy ne suñuy rajé un électeur dafa am ay procédures ñu wara utiliser. Normalement radiation bi dafa wara am fondement, parce que radiation, inscription sur les listes électorales, code électoral moko teunk ay article 29, article 30, article 28, article 31. Mais Ousmane Sonko nekul ci situation bobu, parce que Ousmane Sonko ñom fuñ ko bëggoon yobbu moy situation contumace, te ñom ñoko japp. Donc contumace bobu dafa naxassay yaakaar na pénaliste yépp en tout cas ñu xam droit pénal wax nañ ko. Ni ñi ci wax sax dañé pour nga génn ci liste électorale bi il faut nit ki demander ko, wala mu décédé, wala sax mu nekk en état de contumace. Voilà. Donc Ousmane Sonko actuellement n'est pas en état de contumace. Contumace bobu naxassay na, parce que ñom ñoko arrêté. Et là, le code de procédure pénale m'a dit qu'il y avait un acte de non-acquiescement. Donc, il faut fêter nos bords. C'est ce que Ismaël Madior Fall rek ko doon weur di wax lu ko neex, mais tégoul fenn amul ben pénaliste, parce que bon, c'est vrai que du pénaliste constitutionnaliste la, mën nañ ko nangul lool, mais dafa joom ñu taxaw ci li nga xamné mom moy sax état de contumace bop, parce que
état de consentement, si je ne me trompe pas, bon petit juge dit mais d'effet que nous voit que qui sont nous mais les gars comme le moment état du Sénégal avec la gendarmerie m'ont fait que qui est le leader du PASTEF, on est que tournée nationale, nous donnons quoi faire, il y a beaucoup de cœurs, il faut le citer que Gorgi, beaucoup jugé, n'est quoi en état de contumace, le nec, t'as même fait le nec. Ce n'est pas que les règles du Wallon jugement au Sénégal, on a vu l'affaire du défunt, l'affaire Cheikh Bédié Tchoune, parce que nous avons hâte également, n'est que fait, nous avons en France, dans l'hôpital, nous jugeons en état de contumace, t'as qu'on voit PASTEF, dans le jugement. Comme Ousmane Sonko ben ko jugé jugement par contumace rek d'abord dafa téggoul avant ñu koy condamner mu nek en état de contumace wa non man ñun lu ñuy wax rek xam nga ñom lutax jexi jaxa bi yépp am ñom en réalité wutu ñu justice wutu ñu application droit dossier yi yépp ñuy wax bu ñuy suivre poursuivre Ousmane Sonko pour diffamation ñom c'était pas leur objectif sen objectif mo doon ñu jëm ko génné ci liste électorale mu baña bok ci élection présidentielle lool soko téggé en ligne de mire rek da ngay comprendre ñom sen stratégie dossier Adji Sarr bi tamit luñ ci doon wut moy une condamnation qui leur permette en tout cas ñu génné Ousmane Sonko ci liste électorale pour mu baña bok ci élection présidentielle mais gis nañ ni loolu su féké ni yoon rek nañuy doxal procédure lañuy doxal hein lolou pour mo meuna yegg bala élection présidentielle bi duñ ci en tout cas procédure du jeex donc motax sen doole yépp luñu am ak en tout cas stratégie yépp ñu am ñu def ko pour meuna accélérer procédure légui finalement dafa am ay délais dafa am ay règles procédure pénale non la c'est strict donc mëno daf lolou neex donc je pense que juge bi demb lolou rek la rappeler quel que tu sois, c'est-à-dire que nous sommes ministre de la Justice, nous sommes président de la République, nous sommes, je ne sais plus, agent judiciaire de l'État. Nous sommes le tank, nous sommes le ce pouvoir et tu dois être soumis au droit. Donc, contumace du monde, nous savons que juge sérieux, parce que nous sommes contumace, parce que le code de procédure pénale est appliqué. Code électoral, il y a une radiation, il y a une radiation, notifier à la personne. Comme que nous avons notifié, déjà, un, ça pose problème. Benen bi, radiation, bi, fondement, vous utilisez l'article L30 du code électoral, comme l'article L29 du code électoral, moi, contumace, ça pose problème. Donc, forcément, le juge, ce que je veux dire, c'est annuler la radiation, demander Ousmane Sonko, nous avons des lotistes électorales, pour que nous avons une fiche de parrainage, comme 230 candidats à la candidature, nous avons retiré une fiche de parrainage, nous avons participé à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous avons retenu par rapport à cette décision. Et nous, le plan que nous avons fait, nous avons pour nous exécuter, mais nous avons fait dans le meilleur délai. Mais nous avons fait avec nos avocats pour nous, en tout cas, le plan pour nous retirer les fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko. Et nous avons fait un plan. Je ne sais pas si nous avons fait ça. Parce que même première, le 29 septembre, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. On applique des instructions. Et nous avons fait la direction générale des élections. Normalement, nous avons fait ça. Nous avons fait ça sur le code électoral, sur la réglementation, sur la décision de justice. Nous avons fait une décision de justice. En tout cas, loi ou la réglementation, bon, on ne peut pas se soukandiko pour que Ousmane Sonko ait une fiche de parrainage. Donc, ce que nous avons dit, c'est que nous avons une fiche de parrainage dans les meilleurs délais. Nous avons le Conseil constitutionnel, nous avons le juge du contentieux, si nous avons une candidature, nous avons le collègue. Parce que la constitution, c'est que nous avons une séparation des pouvoirs. Le juge, bi nak, moy juge Kibi Sabassi gis nañ ni luñ koy wax luñ koy yak sétlu nañu say ñu amé une décision de justice bo xamné yaakaar nañu c'est favorable à Ousmane Sonko ñu juge bi né PASTEF la bok wala mbokam PASTEF la bok wala jarbatam wala wumpañam PASTEF la bok lool amul sens mais xam nga nañu baye tapalé bi mais yéne di récuser ngeen fi juge également non récuser juge du problème mais récuser juge dafa am procédure bu ngay jaar mais liñu wax té ñun demb sax procédure bu ñu jaar ñom jaaxal nañu parce que après 13 heures de plaidoirie 9 heures le procès bi commencé nga xaar ba 22 heures
nga dem né way saisir na juge cour d'appel ha juge cour d'appel bobu du wacc 22h kay du heure liguey fan la jaar ba han am yobou réquisition bobu ci juge cour d'appel ha ci lalam la ko fek jox ko réquisition bobu mais réquisition bobu mënu won produire effet parce que il fallait que cour d'appel réuniru juge en tout cas jël décision si récusation bobu donc tant que récusation bobu jël effet juge bi day continuer liguéyam té lolou la daf parce que suko daful dafa am lo xamné même délit le ci juge mom lañu wowe délit de justice parce que mom rek ko mënon juger dem amul won kenen ko mënon juger lolou parce que c'était le président du tribunal d'instance de Ziguinchor té mom mo am compétence puisque Ousmane Sonko fofu le inscrire ci liste électorale bobu la nek fofu la nek fofu le mëna voter fofu également nañ ko falé comme maire. D'accord, ñu dess ci sax li nga xamné mom moy récusation juge bi parce que article 652 bu code de procédure pénale permettre nako tamit mu récuser li nga xamné mom moy juge bu féké dafa japp né dafa am lien de parenté avec une partie wala bu féké le juge a connu l'affaire à l'instruction may nako également mu récuser bi le juge parce que ñu ngi ñuy wax ni c'est le nom Salim Faye mom lañu évoquer né mom la am lien de parti lien de parenté ah, okay. Bok wa ta adjoint au maire la fele ci Ziguinchor ñun suñu ndaw également dem mi ngi won ci Ziguinchor ñuy jaajeufal également Ayoba Faye ak nga xamné mom moy Ibou Doye dem na nga won Ziguinchor effectivement il y a un nom qui il y a un gars qui s'appelle El Hadji Sayer Faye ndax amna lien de parenté avec le juge pour le moment ñu ngi nek di xol ndax lolu amna wala det mais est ce que do nangul également agent judiciaire de l'état mais koku yow wax nga ko wax nga article 652 du code de procédure pénale wax nga motif récusation non bon déjà première chose récusation bi procédure bu ñu utiliser pour récusation bi n'est pas régulière parce que droit tamit dafa am déjà recevabilité mais récusation bi mom gëm na ni n'est pas régulière parce que dañ daf lu len neex yaakar na ni tit ak panique bi wa non panique bi jaxlé bi ak buñu démé ba jaxlé xamnañ ni affaire yi jaxaso na parce que avocat yi suñu plaider ñom amuñu argument dañuy xamné ben moment décision bi fu mu jëm su fekké ni yoon nañu appliquer donc en ce moment là xamna ni peut-être mu jaxaso mu jaxlé peut-être mu recevoir et instruction mu daf lu ko neex wa après il a essayé de communiquer mais procédure bu mu utiliser du procédure bu baax déjà deuxièmement yow wax nga ko lien de parenté avec une des parties hein mais ñan ñoy partie au procès partie bi c'est Ousmane Sonko contre état du Sénégal représenté par l'agent judiciaire de qui hein kan la ci juge bi amal lien de parenté est-ce que dafa am lien de parenté ak Ousmane Sonko est-ce que dafa am lien de parenté ak ñu ci état bi donc amul ça dit manam c'est de la poudre rosier tapalé la perte nañu baña nongu sen défaite ils sont pas fair play légui luñu bëgg moy jaxassé xélu nit ñi au lieu ñu xol ndax décision bi juge bi tek nako ci yoon est-ce que appliqué na texte de loi yi est-ce que mom bu mi né reconnaître ni compétent na c'était il l'a fait en tout cas en appliquant les textes de procédure est-ce que également appliquer le code électoral nous ko wara appliquer est-ce que appliquer également code de procédure pénale bi lool mo wara nek débat bi objectivement mais ñom dañ ko bëgg yobbu dans un débat de personne pour jaxassé xélu nit ñi nek fi nan way amna mbokk ak diw amna mbokk ak diw mais suñ ko defon tay mais Sénégal kenn du juger ti mais dañu né motif de rick avec une partie wa man lien de parenté mom avec une partie mom ça pose problème mais est-ce que amna lien de parenté avec quelle partie la am lien de parenté amuko avec une partie mom établir guñu ko lien de parenté voilà donc débat bobu parce que les deux parties mom non débat bobu dañu bëgg gëlemal nit ñi jaxassé xélu nit ñi perte nañu il n'avait pas raison il n'avait pas lieu de radier Ousmane Sonko de liste électorale waruñu ko won baña jox fichier hein parce que amuñu won ben base légale dañu jalgati yoon dañu jaay doole juge bi jël na décision mais nañu exécuter décision bi lool yakar na ni moy état de droit lool moy démocratie mom ñom lool nañu wax naan force restera à la loi kon bi yoon nañu appliquer lool ñu jall ci lenen bayyi débat yi ak polémique ñom je pense qu'ils ont assez de problèmes électricité baangi ni hein mbënd baangi ni mbëkk baangi ni ak yenen nak régler wuñu dara top Ousmane Sonko rek comme si il n'avait que cette priorité dans ce pays là ce gouvernement bi yépp ñu fa nommé c'est pour combattre Ousmane Sonko critère bobu nañu utiliser pour 39 ministres
Mais gouvernement de combat lañ wax. Non, mais combat contre Ousmane Sonko. Combat lañ wax. Pas combat contre la vie chère, pas de combat contre la cherté de l'électricité, pas de combat contre l'insécurité, pas de combat contre la malgouvernance et la corruption, mais un combat contre Ousmane Sonko et le projet de PASTEF, le projet patriotique panafricaniste qu'il incarne. Parce que xam nañ ni mom su ñëwé tapalé yi ak tiaxani dina tek dëkk bi ci raay amna programme xamna fu mu bëgg jëm mais ils veulent le bloquer par tous les moyens fan nañ ko tek Macky Sall mom yoon moko né mënul bok yoon moko né mënul bok l'article 27 de la constitution débattre nañ ci ba son finalement nonguna ni mënul bok il a choisi un dauphin en l'occurrence Amadou Ba même si ñu bëre contester nañ ko mais c'est un choix là donc ne bayyi Ousmane Sonko bok bayyi persécution bi bayyi acharnement bi bayyi également jay doole bi parce que yakarna ni du mujj fenn day gëna yok daraja Ousmane Sonko day gëna yok taxaway Ousmane Sonko parce que depuis biñ koy xex ba légui Ousmane Sonko et PASTEF ñu ngi gëna am doole c'est contre-productif donc il faut que ben moment tamit ñu bayyi jay doole bi dawal intelligence dawal sen xel xamne ni ñom su fekkon ni li lañ leen tégon en 2011 duñu ñëw tay au pouvoir waa té pouvoir nak yalla kay joxé D'accord, nous avons eu Jigen Chor, qui a comme je l'ai dit, nous avons eu l'équipe qui a été fait par Jigen Chor, qui a été fait par Dick Bidial. Les deux parties se sont prononcées. Nous avons fait si l'élément est prêt à introduire. Comme ni ko faana waxe rek nak ni demb ginaaw bu verdict bi wacce ki nga xamanteni modi Claire Dor li nek avocat bu Ousmane Sonko dal dina ci addu waye itam ki nga xamanteni modi Maître Adama Fall nek avocat ci nguur gi mom itam dal dina ay addu xamna dañuy dem setan vidéo yi dal di delu ci wat li ñu japp mom modi que juge bi la ndaw si waxone ci bëreb ba café ba cour suprême Mariam Diop Gueye deug bi bam fa waxone ne jaay doole lañu bëgg tek Ousmane et que li ñuy def yépp téguñu ko ci yoon que yëfu wayu yi ñuy def dañ ko wara arrêter et que ñu bayyi Ousmane comme tous les citoyens mu retirer ficheum de nga mëna participer ci parrainage loolu le ki firndel tay mais ki dafa gëna sori dafa nek li état bi def wëru ko fenn téguko ci xam xam téguko ci dëgg kon bok nañu dindat Ousmane niñ ko dindé fassé ko nañ ko ci délo wat ci numu gëna gaawé té buñu jëlé ci ben duñu jël ben mesure bo xamné mën na téré Ousmane nekk ci liste yi té Ousmane bu nekké ci liste yi day wone que na Ousmane day nga candidat la à la candidature néna la ko yoon djégé moy lan waxul nekk Ousmane xamné juge bi waxul nekk Ousmane lek nak juge bi waxul nek aussi na la tudde ci Ousmane Sonko ak juge bi amna firnde nek na la tudde ci joko nañu kon wëru ko fenn daño jafur nguur go xamne dafa nek ci jeexantalam tay ji jafur nañu xamatuñu fuñu jëm wolotuñu kenn kep ko xamne ka xamnañ nek ki buñu xeyna buñu jéme gar doxul ñu xokatal doxul bu boba duñ la wolu ñak lolu motax fi mu ne xamatuñu ñom fu ñu jublu wante ñu xam ne ka junni magistrat ngi ci dëkk bi ño xamne am nañu fit bi am nañu sañ sañ bi am nañu xam xam bi te bu yalla dogalé mu dox seen loxo dañu leen di gëna botti wad rek ci suuf tribunal d'instance bu Jigen Chor wadal na dogalam ci dogalam bi dafa japp ne génné biñu génné Ousmane Sonko ci liste électorale yi jaarul yoon donc joxé na sañ sañ ñu déllo ko ci liste électorale yi donc décision bobu décision justice la ñun suñu wal ci avocat bu décision justice wacce li ñi ñëk def moy respecter ko parce que lool moy suñu waref wayé yoon may nañu suñu ci d'accordul ñu am fenen fuñ ko joyé d'accordu ñu ci nak e fassiyé ñu koy yobbu fañ koy joyé muy cour suprême ndax dañu japp né amna lenn ci doxalin bi lo xamné téna xel ndax bu ay avocat plus de 20 avocats
téwé ci tribunal bi 9h ba 22h fukki waxtu ak ben di plaidé yow juge bi nga retiré wu ci juroomi simili nga ñew atté dañ suñu xel day téné bi nga ñew indal won nga sa atté sa poste yow mi atté buñu démé ci bir atté bi ñu découvrir que ni sa frère sa bép frère kula djégé dafa nek di ligéyandol ak kenn ki nga xamné mo fi indi touma bi yon tuddé mayñu ñu récuser le pour cause de suspicion légitime ñu def ko li nga xamné mo doon tay xel moy yow mi nga xamné yaay arté sax bala ñu lay récuser nga am grandeur né ah man kat comme kuma djégé taxé na ci bayil ma roccé ko ci sama benen collègue juge ko mais dañu gis né dafa sisu xëccio dossier bi ak hiérarchiem atté ko ci anam yo xamné dal téna suñu xel mais nak comme yone limu mayé moy buñu atté té dogal ba neexula mu am voie de recours ñun fa lañuy yam dinañ def suñu recours devant la cour suprême parce que dañu japp encore une fois que ni ñun ño am deug ci walu wi su fekente ni dañu retirer Ousmane Sonko des listes électorales autorité biko def da ko tek ci yone su fekke dañu retirer Ousmane Sonko ci liste électorale yone may ko mu saisir tribunal defuko ci délai ba donc argument yoy yep du yam fi dañ ko yob inshallah devant la cour suprême ni dem batay rek ñu koy daldi def alors monsieur Dafé ñoko deggalo ki nga xamantene modi maître Amadou Fall mom xam leen ni rek dañuy daldi defat recours fofé nga xamantene modi cour suprême jamono ñu tollu ban commentaire nga ci am wa sen recours mom yaakaar na ni yoon la yoon may na leen ko donc am nañ droit daf ko awma ci commentaire yaakaar na ni ñuko wara juger au niveau de la cour suprême suñ ci yeggé nañ ko juger ñun lu ñuy ñaan rek moy ñu exécuter décision bo xamné jël nañ ko demb nga xamné c'est une décision immédiatement exécutoire amul dara lu ñuy xaar hein décision mom su daano amna ñu mu neex amna ñu mu nakari waye justice mo wax té ñom yaakar na ni yag nañu plaider lool nañu appliquer décision de justice donc tay amuñu leneen lo xamné war nañ ko mëna wax nañu fair play nañu and ak élégance nañu daf lu yoon maye yaakaar naani avocat bi ni num ko waxe non la maître Adama Fall wouté nak communiquer bu agent judiciaire bi di l'état djel nga xamné mom dafa wax ni melni mom du appliquer décision de justice té ñu xamal ko ni mom hein simple agent la mënul daf obstacle à une décision de justice parce que dafa am dëkk bi dafa am séparation des pouvoirs et la justice dafa am ñuy wowe constitution bi moko may indépendance un pouvoir la ni pouvoir exécutif mom il n'est qu'un simple délégataire de mission ko xamne dañ ko santone liguey état de Sénégal diko fay mu dem daf ligueyam paré na ci na may justice suivre son cours ñu exécuter décision de justice parce que lool moy état de droit lool su amul nak hein day indi anarchie day indi arbitraire lool moy don dictature batay sax voilà. Mo len yakare ñi nga xamanteni mo di cour suprême ñu daldi jël décision contraire bi juge bi jël demb waaw xam nga justice mom so ci xasse yegg mom rek lu bari mën na xew mais ñun luñu japp te gëm ko moy nu Ousmane Sonko juge de tous ses droits civils et politiques te fi ba élection présidentielle di jot mënuñu ko empêcher hein mu nek ci liste électorale amul dara amul procédure buñu mënu utiliser mu téré ko bok ci élection présidentielle maintenant fuñ ci toll té lo xamné jamp na moy parrainage commencé na depuis le 29 septembre hein yenen candidat yépp ñogi wuté parrainage Ousmane Sonko rek mo nek candidat hein 1600 délégués yo xamné parti bo xamné yaakaar na né bok na ci parti yu gëna taxaw Sénégal malgré dañ ko dissoudre té lol tam daf nañ ci recours cour suprême té bu len fatli ñu len di fatli ñom dissoudre nañu pastef né décision décret bi c'est immédiatement exécutoire malgré que daf nañu recours ñu né ce recours n'est pas suspensif donc nañu appliquer lol tamit donc parti tan la coalition tan la nañ ko jox ay fiches de parrainage mu mëna bok ci parrainage parce que sinon ñongi violer ay droits ñongi
tilimal deru démocratie au Sénégal, ñu ngi tilimal deru état du Sénégal parce que Sénégal actuellement ñepp ak ñuy sétane à l'international. Tay so gisé décision bi sur le plan international mondial, journaux yépp commenté nañ ko pour wané ni état du Sénégal amna ben juge bo xamné justice dan nako ci do problème bu mu amone nak radiation sur les listes électorales parce que ñom ñoo wër fu né dam sur les plateaux France 24 dam TV5 fu nek jaay né Ousmane Sonko a été radié des listes électorales té justice wax len ni amu len deug Ousmane Sonko waruñu ko radié Ousmane Sonko nañ ko dello ci liste électorale Ousmane Sonko nañ ko jox fiche de parrainage Ousmane Sonko dafa wara nek candidat bok ci élection présidentielle sénégalais nak ñoy tann parce que élection nañu wax waxuñu sélection. D'accord. Donc nous organiser une élection. D'accord. Ci lolu sax comme niñ ko waxé campagne bi démarrer na et que décision justice bi demb c'est exécutoire benen laaj également Ousmane Sonko bi mu yégué décision bi non la dundé bi de verdict. Bon yakar na ni mom en son fort intérieur xamone na ni si le droit est dit ni règle mëna damé mom il a été toujours convaincu dafa mësa gëm ni jaay doole nañ ko tek arbitraire la donc mu jël lo xamné yoon mo ko may wa ñuy féliciter avocat yi nak vraiment seen liggéey bu rafet mais mom nan lay battre campagne te mi ngi ci kasso bi également est ce mais dañ ko wara bayyi non dañ ko wara bayyi débat bi dañ ko wara bayyi parce que japp ji balu mané xam nga grève de la faim bi également japp da so xel santem physiquement est ce que Ousmane Sonko est prêt à aller sur le terrain premier injustice bi moy japp ji waruñu ko japp parce que teguñu ko ci dara dañ ko wara bayyi puisque contumace bi naxassayna ñu reprendre le procès Adji Sarr Ousmane Sonko jugé wat ko parce que code de procédure pénale lol la wax mom nak en tant que candidat il a le droit de faire campagne comme tous les autres candidats baru campagne felenté ci dikota mandela mais du yone non du yone jay dole la en tout cas ak nu mu munti damé yakarna ni les sénégalais sont déterminés sénégalais paré nañu pour ko paréné Ousmane Sonko paré nañu tam voter ko. Donc lolu leer na nañu parce que mom lu mu doon campagne en réalité sax Ousmane Sonko campagne nako ba paré depuis 2019 némé ko tour yu mu daf soxlawu sax campagne kon ñu xaar yaakaar na ni en tout cas man lolu la gëm quoi politiquement soxlawul campagne ñun ñi rek suñu wacce sur le terrain mais lu ñu gëm moy ni téy buñ ko téy du yoon dañ ko wara bayyi dans les meilleurs délais. Donc ñom war nañu xamni mais nek ne bu le ci bir sebi kotane également est ce que so waxel tamit bi les campagne dégolum la wax Ousmane Sonko soxlawul campagne pour gagner ses élections présidentielles na tok fofu ci bir rek di dé non non néwuñu mu tok ci bir lañ ko bayyi mu génn parce que lool luñ ko jappé jaay doolé la téguñu ko fenn dañu yaakar ni tay nañ ko neub jant bi pour téré ko mu nek candidat à l'élection présidentielle téré ko sax même su féké ni benen candidat amna mom mu campagneal ko té yaakar na ni gis nañ ni loolu amul ndëriñ parce que ko xamné mo ngi teud hôpital mais depuis buñ ko jappé actualité mom rek ngay dégg ñom sen gouvernement bi nommé nañ ko daf nañ sen remaniement soit disant remaniement mais amul buzz ken waxu ci parce que dañ doon jema daf contre feu pour yaakar né dañuy neub actualité par rapport ak procès bi mais ken waxu ci parce que vraiment amul dara lu bess d'accord ma baye tangal ciep la baye ma baye sama data bi gëna do comme également yewit député nga fele ci assemblée nationale mu am laaj bu mu la laaj sen avenir tamit ci taxawu la ta ñuy ñëwaat ci remaniement bi gëna do d'ailleurs Fana li nga wax nak sax la lool la ko narona laaj nga nek fofu député ci pentel ndaw rew mi ngeen bokkon tamit coalition ak ñi nga xamantene modi taxaw mu yewi askan wi jamono ñu tollu ñu dal di koy genné ci yewi askan bi lan moy placeu li nga xamantene rek modi taxaw Sénégal ci bi parlement bu yewi waaw bon groupe parlementaire yewi askan wi nga xamné mom prolongement wu coalition yewi askan wi la à l'Assemblée nationale parce que ñun ñëpp ci coalition yewi askan wi nañ ñu falé donc gis nañ ni à certains moments surtout dialogue bi bu mu commencé divergence yo xamné am nañ ko sur le plan politique ak wa taxaw parce que bokkutu ñu yoon ñom dañu né dañuy dam dialogue ñu violer la charte de yewi askan wi parce que yewi askan wi chartem dafa né
amul compromis, amul compromission ak Macky Sall. Sauf que suñu dam séti Macky Sall, il faut que ñu waxtané ko ba ñun ñëpp ñu d'accord ci. Lool la charte wax. Nga baal ma, mais Khalifa Sall léral na ni que mom demul au nom de yewé askan wi, dafa dem au nom de taxaw. Non, dañu né entité yu bokk yewé askan wi lañu wax. Je pense. Lool moy sinon amul sens disposition bobu nek ci charte. Dañu né entité ño xamné ils sont membres de yewé askan wi, kèn amul droit dam unilatéralement dam di négocier avec le pouvoir té waxtano aussi, hein? Amo ci accord avec les autres membres de Yewi Askanwi. Mom mu dam unilatéralement. Donc tous les autres membres de Yewi Askanwi n'ont pas participé au dialogue. Buñu démé ci dialogue bi nak bo joggé fa gis nañ nak position yo xamné amon nañ ko. Je pense que di attaquer wu à la coalition Yewi Askanwi di attaque bi mom ñaar côté yépp la. Non, attaque bi sur le plan politique si ñom la commencé. Attaque bi ñaar c'est des attaques yo xamné des attaques virulentes. Mais lu ci am solo ak nu mu munti damé amna ay divergence yo xamné bokku luñu gis bokku tuñu yone ci walu politique té groupe parlementaire nak ay affinité politique la. Je pense que au niveau de l'Assemblée nationale suñu yéssal groupe parlementaire il faut en tirer les conséquences en tout cas pour clarifier le jeu politique. Yakarna ni maintenant c'est aux différentes entités du groupe parlementaire ñuy décider parce que dama japp ni groupe parlementaire bi wax nañ ko ñun ñëpp ci yéwé nañ ñu falé mais amna ay entité amna wa pur ñogi fa wa ki donc majorité bi su dégagé wo yaakaar na ni dañ jël décision bo xamné dina lam dans le sens des intérêts des sénégalais yo xamné ñoñu fal am yaakaar ci ñun suñu démé fofu nañ am taxaway défendre len défendre en tout cas les positions des sénégalais comme nuñu buñu doon dam di wut seeni baat di wut seeni voix nuñ ko waxtané won ñom ñom ci campagne il faut que lolu ñu respecté ko lu mu metti il faut ñu respecté ko yakal nañ dal lolu moy mëna na la nek suñu ligne de conduite au sein du groupe parlementaire yow askan yi xana gelado ñu jéxalé waxtaan bi ak walum remaniement comme tay tamit aljuma lañ nek temps bi daf ñuy xawa ñatt nit ñi dañuy bëgg julli ji juma remaniement bi gis nañ le ministre de l'intérieur également changé qui de Antoine Félix Diom jëlé nañ ko ci bilé ministère tek fa natangum bi di Sidiki Kaba ministère de la justice également amna ciopété ko ki di Aissata Tall Sall mom mo jël bilé place en remplacement de Ismaïla Madior Fall ñu gis ni li nga xamné mom moy société civile bi ak opposition bi mbébét ki ñu amone moy ministère de l'intérieur bu dékk ko ben personnalité bo xamné dafa neutre pour mu diriger élection yi nga xamné mom lañu juk bi dogal bi wacce muy remaniement bi ngeen gis ni danaka continue lay doon parce que ki ñu fa tek également APR la bokk responsable APR la fele ci Tamba ndax déception ngeen am wala ci élection yi ñu jëm parce que personnalité neutre mom dafa melni loolu ngeen doon mebet mujuul entre waaw gouvernement bi déjà premier problème bi moy kuko jité di Amadou Ba nek candidat de benno bokk yaakar à l'élection présidentielle ñu japp ni mënul bolé ñaar parce que day utiliser moyen état utiliser dolé état ne mbubou état pour daf campagne électorale ce qui n'est pas normal lo xamné c'est déloyal yaakar na ni mom dafa wara démissionner wala ñu waccé ko mu topoto campagne am ñu jël kenn ko xamné vraiment mën na gérer les affaires courantes am jot pour topoto problème au Sénégal parce que problème yi bëri na sur tous les plans. Ah, vraiment tous les feux sont au rouge actuellement sur le plan économique social environnemental et culturel. Benen bi wax nañ ni gouvernement bi 39 ministres dafa bëri fan wër ak ministre ak juroom ñent té Macky Sall yaakaar na ni dafa jëlon ni engagement né mom il va 25 gouvernement de 25 ministres mais mus pas respecté tay ñong ci 39 également profil yi ñu ci gis ñu ci bëri dañu échouer dans leur poste ministériel gisunu ben avancement ci sen domaine ñu jëlat leen indi wat leen fa ndax politique politicienne ndax préparer élection yi jox leen ay portefeuille amna ño xamne ñom société nationale ñu leen joxone luñ fa bayyi Marbé Tali nommé nañ leen à des postes ministériels donc yaakaar na ni lolu gabeji bi ak Mbumbay bi lay gëna yok rek mais du ki liggéey bi suñ ñëwé également ministère de l'intérieur kuñ fa nommé vraiment yaakaar na ni président amna droit nommé ministre de l'intérieur Sidiki Kaba avocat la
connaît droit, mais depuis que nous avons dougué la politique, il a commencé par parler. Wow. Donc, il n'est plus objectif, il est devenu zélé et partisan. Donc, il y a quand même des gens qui organisent l'élection. Donc, nous, ce que nous avons, ce que nous exigeons, c'est de nommer un ministre chargé des élections. Parce que Ablaye Wade, il l'a fait en 2011-2012, nommé, je pense, le ministre Cherguey, chargé des élections, organiser l'élection. Lors de nous règles sur nos combats, combat ou démocrate, yep, le combat ou républicain, combat opposant, yep. Mais est-ce que opposition à la société civile y en a qui n'est pas? Non, ni n'y a qui, mais il y a quand même organisé ou une jonction, ni n'y a pour exiger l'ordre. L'ennemi, moi, au niveau du fichier électoral. Fichier électoral, bon, vous, on doit le mettre à la disposition. Tu as commencé le parrainage. Quel est le fichier électoral? Tu as l'ordre, tu as une règle. Donc, sur ces plans-là, aussi bien, comme moi, on a organisé l'élection. Un ministre chargé des élections, Ablaye Wade Dafnoko en 2011-2012, nommé Cheikh Gueye. Abdou Diouf Dafnoko en 2000, nommé le général Mamoudou Niang. Donc actuellement, Macky Sall, c'est Yone Bobou la Waranek. Mais Dieu le connaît, responsable de l'APR Tambacounda, il a organisé l'élection, il a demandé, il a eu l'élection, il a eu l'élection. Et il a eu l'élection, il a eu l'élection. Donc, lors de la nous sommes tous les démocrates, les partis politiques, les candidats, la société civile pour nous faire une exigence. Parce que, nous avons quand même, en tant que démocratie, nous devons nous dialoguer. D'accord. Voilà. Nous devons tout ce l'Assemblée nationale, la divergence entre Yewé Askan et le Sénégal. Pour avoir un groupe parlementaire, il faut avoir 17 députés. Ce que je pense, c'est que je pense 13 députés. Est-ce que c'est une divergence ou une implosion ou un groupe parlementaire que vous disiez? Bon, le groupe parlementaire de Birom Souley Diop, le président Birom Souley Diop. Bon, nous, ce nous avons c'est vraiment qu'on reste fidèle aux principes et aux valeurs de Yewé Askan. Parce que ce qui est solo, c'est que nous avons élection, vraiment, mettez hein, dans des conditions difficiles. Nous avons une liste des titulaires supprimés, les suppléants et nous hein, malgré tout, nous avons une élection. Le président Ousmane Sonko, qui est le leader, watch sur le terrain. Malgré qu'il n'était pas candidat, il a un esprit de sacrifice envers les Sénégalais. Les Sénégalais ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que ce que l'opposition a fait, ils ne pouvaient pas faire. Parce que l'intercoalition, nous avons fait. Donc l'opposition a 80 députés au sein de l'Assemblée nationale. Donc nous devons décevoir la population, nous devons les voir. Donc nous devons rester fidèles à ses principes et à ses valeurs. Et ce qu'on peut avoir sur le plan, le groupe Bidjarne, c'est un problème de l'Assemblée nationale. Mais l'essentiel, en tant que député, l'engagement hein, envers le peuple sénégalais hein, de représenter le peuple à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on peut faire. Yakarnaani man lolou moñu ëppal solo au niveau du groupe parlementaire Yewé Askan parce que Diri Diakhé également su amé ci groupe parlementaire bi yakarné du bénéfique ci kenn parce que tant bi ngén tollu yakarnaani opposition soxla wul dispersion mais plutôt bolo la soxla comme da ngén né da ngén bëgg daan ben bër muy ki nga xamné mom moy Amadou Ba waaw lolou amna on a besoin soxla nañu mbolo mais yakarna qualité mo gën quantité. Man lolou la japp tamit problème ci li nga xamné mom moy comme parrainage légui dafa am ñaari forme moy le parrainage citoyen ak li nga xamné mom moy parrainage optionnel ndax xëccio député du am ci assemblée nationale ci ñi nga xamné ñoo bokk Yewé Askan wi xëccio député bo damay na ko bëgg am ku bëgg choisir parrainage optionnel parce qu'on a vu au niveau de PASTEF également bari ngeen ay candidat dé ñu retirer sen fiche de parrainage. Oui, parce que ben candidat là, oui, le président Ousmane Sonko. Parrainage optionnel, comme nous avons option. Si nous avons apprécié.
Mais yakaruma ni gisuma problème bobu au niveau du groupe parlementaire ay xëccu député lolou wax deug yalla gisuma député yi non fuñu nekkone ba légui ñongi fa pastef mom da wolu bo fa yakkar na day may non non du question wolu sa bop farinage élu da ngeen koy may ñi sa dess non non te yakkar na ni buñ ci tollo dal nañ ci addu wax ci luñu wara daf inshallah d'accord gedadu dafa melni waxtan bi mën nañ ko yëkëti di fatali ni heure juma bi également dafa jot di excusez-moi encore ci retard bi nga xamné accusé nañu ko ci émission bi tout à fait comme nim ko waxé faana rek tay di aljuma tax rek ñu daldi fasiyene rek daldi fi yemalé li nga xamanteni modi émission bi amana sax nak bëggon nañu gëna daldi continuer gëna xoss waye nak temps bi daf ñu ko mayul kenn complé wul ni heure juma dafa rek daldi jot ci lolu sax nak ñukoy jaajeufal bu baaxa baax mom ayib dafé nek également honorable député jeureuf ma ngi len di nuyu di ma ngi len di remercier vraiment ci émission bi ak invitation bi lumay jéxalé rek en tout cas ñu ñuy suivre yépp patriotes yi citoyens di len nan nañu nek à l'écoute daf confiance en tout cas le candidat Ousmane Sonko inshallah nañu récupérer suñu fiche de parrainage si nous mu gëna gaawé hein en tout cas watch sur le terrain outil parrainage bok ci élection présidentielle du 25 février 2024 té ñongi ñaan yalla bay ñu ci ndam inshallah ni non naka ni suba rek ngeen wara waccat ci fi nga xamanteni modi assemblée inshallah inshallah tam mi non suba la session bi du ubbi wat ci lolu sax nak la lay jaajeufale yow tamit faana bu baaxa baax dila wax bo weekend et allons inshallah wa comme waxtu yëkëti jotaay jotna di remercier tamit suñu invité bi ci disponibilité parce que xaar ba tamit yagone di waxat rek on s'excuse di retard di jaajeufal ñi nga xamni ñu doon suivre ci plateforme digitale de presse afrique yépp di leen jox rendez-vous lundi inshallah et bon week-end di jéggaluwaat encore une fois bu baax a baax ci lu jëm ci wàllu Mediascan ndaxte nag amaana sax nag bëggoon nañu fi daal di toog defal leen ko waaye dafa fekk ni rek heure julli bi dafa daal di jot xam naa dinañ ko am semaine prochaine inshallah di leen wax bon week-end di leen wax d'ici là restez en fidèle compagnie de presse afrique.com ak presse afrique tv ba lundi inshallah